On y est les amis. Le moteur là-bas est en route. Celui-là est en route. Bon, il a eu un petit souci de chapeau sur la route. Enfin, le bateau est prêt. On enclenche. C'est la première marche avant que je suis avec. Hein. Vous êtes en live. J'attends un collègue là qui doit arriver. On va tester tout ça. Hein. On retourne à la mise à l'eau gentiment. Eh ben ça fait bizarre hein. Pour une première. J'ose même pas mettre les gaz. Bon, on est sur une petite session avec le petit Périane. Bon, et une heure, hein. Mais une heure, c'est dur. Et c'est histoire de, c'est pour le plaisir, quoi. C'est pour le plaisir. Le dipper, il est là, vous le voyez. Là, c'est un peu à l'arrache. Il n'y a pas d'écho. Je découvre tout. Heureusement que j'ai pas filmé la mise à l'eau et tout parce que vous auriez rigolé. Je vous le dis, moi. Épique. Ouais, c'était épique. Épique. Et clairement, il y a du monde là-dessous. Mais tu vois, ça y est, on bouge plus. Ah non, je vais coller, mais... Oh ! Bah écoute. Putain, délire. Bah écoute, on va vérifier, mais... Une gentille... Bah oui, tiens, regarde. Ah oui. Bah tiens, regarde. J'ai pris un petit gratte-gratte. On aurait pu faire un silure d'emblée. Ah tiens, regarde, j'en ai un qui monte. J'en ai un qui monte. Qui monte. Qui monte. Et qui ne redescend pas. Non, il redescend pas. Putain, j'y crois pas d'avoir pris une table d'emblée, quoi. J'y m'attendais pas, je l'ai pas ferré du coup. Je m'y attendais carrément pas. On va mettre un petit coup de clonque. Discretos, comme ça. Alors, attends, parce que de la main droite, moi... Oh bah écoute, pour de la main droite, c'est pas mal. Ouais, bon, du coup, on les a peut-être fait fuir. Hein. Je préviens. Mettre 5. Oh ouais, là, il y a du monde là. Hop, 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 hop. L'encre. C'est ici que je veux être. Là, il y a du monde, mon cochon. Regarde-moi tout ça. Oh, ils sont tous dans la fosse. Regarde-le. Wow, regarde le peuple qu'il y a là-dedans. Elle est blindée. Oh là là, c'est blindé. Elle est gavée. Elle est gavée. On va se mettre face au courant. Allez, prends-le. Ils sont dessus, ils sont en train de le regarder. Oh, enculé. Ouais, bah je l'ai touché, ils sont tous redescendus. Oh, le gars, il commence à être au taquet, là. Ça y est, c'est bon. Ça fonctionne. C'est bon. Clac, 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 c'est parti. Ça démarre au poil, ça c'est bon, ça. Attention, ça va envoyer, on remonte ta ligne. Le dipper, on va le remonter, on va pas prendre de risque. C'est clair. Regarde, ça va déjauger direct. Ça monte, ouais, mais c'est quand ça redescend que tu déjauges en fait. Là, tu vois, là je redescends et c'est bon. Excusez-le. Ouais, j'étais resté sur la puissance. En fait, j'ai repris garde en mémoire ta dernière vitesse. Faut le savoir. Je vous présente un peu le bateau, vite fait. Bon, ça, vous l'avez vu.
Tac. Donc le siège, finalement, je pense que je vais en mettre qu'un pour me garder cette assise, enfin cette place-là, pour poser les verres, les machins, les trucs, faire mes montages. Là, hop, là j'ai la nourrice, voilà, qui va rester fixe du coup, puisque là j'ai prévu une petite trappe de visite. Vous allez voir ça tout de suite. Prévu une petite trappe de visite où j'accède au bouchon pour la remplir. Le mec est malin. Là, une autre petite trappe. Trappe pour ranger. Elle est assez profonde. Donc là, j'ai mis l'éco-sondeur et tout, mais effectivement, j'ai acheté le bateau avec un éco-sondeur avec la sonde morte. Donc bon, c'est pas grave. Là, vous voyez le père Yann qui tente d'attraper un poisson. Je tente. Voilà. Bon, le support canne, je l'ai gardé, je l'ai laissé en place. Là où est Yann, là où il y a ses pieds, il y aura donc du coup un rangement qui va s'arrêter à peu près à 30 cm. Et le fauteuil qui ira ici, le deuxième fauteuil. Et finalement, il n'y aura que deux fauteuils sur le bateau. Et ici, vous avez du coup... Alors, je vais remettre cette trappe-là. Je ne sais pas encore si je vais mettre du vinyle ou de la moquette dessus. Je ne sais pas encore, c'est pas décidé. Et là, vous avez le compartiment batterie. Donc voilà. Voilà pour le bateau. Le moteur est en position ancrage. Il fonctionne, tout va bien. Et moi, je suis guette. Et celui-là, il a la patate. Bon, j'ai pété le couvercle du dessus à l'aller. Il y a eu un petit problème. Bon, c'est pas dramatique. Ça va se résoudre. En ce qui concerne l'éco-sondeur, donc là, là, on est sur, on est sur du dipper, hein, en attendant. L'éco-sondeur, je vais le placer ici, là, à peu près, donc à peu près à l'avant du bateau. Comme ça, les deux sièges, celui qui est là et moi, on pourra avoir accès à l'éco-sondeur tous les deux. Il n'y aura qu'une seule sonde, ça ne sert à rien. Au départ, je voulais en mettre deux. Finalement, je vais en mettre qu'une. Et voilà quoi. Allez, je vous laisse sur ce magnifique lancer. Allez, retour au bercail.